Eh ben salut tout le monde, c'est SGamer54 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16 la démo. Et là cette fois-ci j'ai pris deux équipes féminines, c'est évidemment dans la nouveauté de FIFA 16 pour faire les gonzesses, enfin. Alors du coup par contre c'est con, c'est dommage que dans la démo il y a juste deux équipes féminines qu'on peut faire, c'est l'Allemagne et les États-Unis. Du coup, j'ai pris les États-Unis parce que je sais pas, parce que j'avais envie d'essayer avec eux contre l'Allemagne. Du coup, j'ai vu que seulement 3 vues. Bon, c'était juste ma vidéo d'hier, mais bon. J'espère que ça vous a plu quand même. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y a maintenant 3 équipes que je peux faire. Enfin, sinon, oh, vas-y, genre, poteau rentrant à la 8e minute. Je joue toujours en légende, hein. Je vous préviens tout de suite, je joue toujours en légende. J'ai fait un match hier pour voilà comme ça pour rigoler. Si en mode de champion ou quoi que ce soit, c'est pas trop intéressant. Pour moi, intéressant c'est en mode légende. Du coup, ma carrière manager, je ferai tout en mode légende. Puis comme ça, même si je perds, voilà, c'est plus intéressant pour vous. De gagner tout le temps, après vous dites ouais c'est bon, c'est pas trop intéressant, puis tout ça, c'est vrai. C'est plus avoir du challenge pour moi aussi, voilà. Du coup, je vais faire tout en mode légende de ma carrière. Du coup, oui, bah oui, j'étais en train de vous dire qu'il y a 3 équipes maintenant que j'ai vu dans ce que je peux faire en mode carrière. Vous savez, la vidéo que je vous ai dit annonce de ma carrière. La dernière fois, bah, j'étais voir hier, il y avait 3 équipes, il y avait Marseille, Paris et Barça. Voilà. Et si par exemple, pour ceux qui n'ont pas vu encore la vidéo ou qui n'ont encore pas voté, si vous aimez bien, par exemple Marseille, vous cliquez sur le lien où c'est marqué Marseille, vous mettez un pouce, que ça je saurai qu'il y aura 2 personnes qui auront voté pour Marseille, etc., etc., pour Paris, pour le Barça. Et si au cas où 24 y a les échos, et ben ça sera à moi que je serai obligé de faire un vote, de faire un tirage au sort. Ça veut dire que je prendrai 3 bouts de papier, je marquerai les noms des équipes, et après je tirerai au sort. Je mettrai soit se trouve dans une casquette ou un truc comme ça. Puis après je ferai en face cam, hein, le tirage au sort. S'il y en a un, je ferai en face cam. Ça vous n'allez pas dire ouais c'est un tricheur, nanana. Il triche parce qu'il voulait juste prendre l'équipe là. Non, 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 ça sera pas comme ça. Ça veut dire que je prendrai ma casquette, je mettrai 3 bouts de papier et après je le ferai en face cam. Et après je vous montrerai évidemment le bout de papier, hein, pour que vous voyez, je mens pas. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà. Ouais, franchement, c'est une bonne idée, frère et féminin. Mais c'est un peu dommage que, en fait, les féminins, en fait, on pourra juste utiliser match amical en ligne. Attention, attendez. Alors, la tête, c'est le but. Yes. Voilà, mon premier but en légende en vidéo, c'est pas mal. Ah, je suis content. Bon, allez, un partout. Bon, allez, là, le match est relancé. Oui, bon, je disais que c'est dommage que les féminins, en fait, on peut jouer en solo en match amical, on peut faire la compétition, je crois. La Coupe du Monde, comme je vous avais dit hier, hein, c'est hier ce que j'ai fait la vidéo Chelsea contre Barcelone contre Paris. Et puis on pourra jouer en ligne en match amical. Voilà, on peut faire que ça. Je suis déçu qu'ils n'ont pas mis un championnat comme les hommes. Ça veut dire qu'on peut pas faire ma carrière qu'avec des femmes. Enfin, ça sera un peu. Enfin, je pense que dans 2010. Dans FIFA 17 ou FIFA 18, ils vont faire un truc comme ça. Je crois qu'ils vont mettre un championnat féminin, je pense. Et ça serait bien. Ça serait bien quand même s'ils peuvent bien. Bon, après, on verra, quoi. Mais pour l'instant, on est vraiment content qu'ils ont mis enfin les femmes dans le jeu. Allez. Encore 1 minute et après, c'est les arrêts de jeu. Enfin, c'est tout de suite des arrêts de jeu. Voilà. 1 minute, ça passe vite pour eux. Du coup. On est tranquille avec ma chenille pour le moment, un partout. J'espère qu'il n'y aura pas des prolongations. Parce que sinon, ça va faire encore
12-15 minutes. Allez, c'est parti pour la deuxième. Toujours un score un partout. Les Allemands jouent en blanc, hein, si vous avez remarqué. Hein. En fait, c'est. Je trouve pas, c'est vraiment une maillot officielle. Hein. Je sais pas, je connais pas trop les matchs féminins. Je regarde que l'équipe de France féminin. Et après, je sais pas trop si c'est vraiment leur vrai maillot officiel ou pas. Vous me direz ça en commentaire pour ceux qui suivent les matchs féminins. Ou voilà, vous me direz en commentaire pour ceux qui savent si c'est vraiment une maillot officielle de l'équipe ou pas. Je pense pas. Bon, après, ça me choquerait pas si c'est maillot officiel. Hein. Sur FIFA, ils ont plein de trucs officiels en ce moment. Et je crois qu'ils ont fait un truc aussi. Ah non, c'est dans PES 2015. Ils ont eu la licence des clubs anglais. C'est-à-dire, ils ont. Ah, attention! Oh, mais non, le poteau, non! Oh, c'était bien joué! Oh là là. Allez, une tête. C'est pas comme ça que je vais faire une tête, hein. Allez, allez. Oh. C'est vraiment dur, franchement, c'est vraiment dur à se mettre en main tout simplement parce que je sais pas, ils ont mieux, franchement, ils ont beaucoup amélioré le jeu complètement. Mais au moins, c'est bien, au moins, comme ça, comme je dis hier, hein, c'est comme si on regardait un vrai foot à la télé, et sauf c'est nous qui jouons. Je sais, bon, après, c'est bon, c'est vrai, c'est une démo. Vous êtes en train de vous dire, ouais, mais t'inquiète, c'est juste une démo. Et après, ça sauve le jeu complet, ça sera pas mieux comme la démo. Moi, je dirais pas la même chose que vous. Voilà. Pour les gens qui pensent ça, bah, franchement, je pense pas que je pense que ça va rester comme ça ou un petit peu plus amélioré, je crois. Je crois, oui. Là, franchement, si le jeu il sort comme ça, franchement, vraiment, ça me plaît. Hein. Moi, je voulais de toute façon un jeu comme ça, plus réaliste. Plus dur à essayer marquer. En mode légende, ils ont enfin compris que dans FIFA, en fait, dans FIFA 15, en mode légende, vous pouvez marquer 4-5 buts. Hein. Puis là, franchement, en légende, déjà, si vous arrivez à marquer un but, vous êtes content comme tout, comme si vous avez gagné la Coupe du Monde. Ah, bah là, c'est but. Ouais, c'était sûr. Ah, ouais, tant pis, c'est pas grave, c'est un match amical. Un match de détente, on peut dire. C'est juste pour vous faire la découverte bah, avec tes filles, quoi. Avec tes femmes. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est le goal que tu as touché. Bravo. Voilà, que ça, je vous ai dit hier. Hein. Ouh, la reprise. Ouh. Je vous avais dit hier, hein, je ferai quand même une vidéo avec tes femmes. Comme ça, au moins que ça, vous avez vu. Excusez-moi. Je commence à être encore malade. C'est encore moins perdu, je pense. Allez. Allez, moins de 10 minutes. Toujours sur le score de 2-1. C'est compliqué si. Ouais, voilà, ils font tourner un peu la balle, c'est normal. Allez. Ah, oh, la vache. Attention, un contre-attaque pour les Allemandes. Pourquoi pas un petit 3-1, je pense. Non, et récupération, récupération, récupère. Oh mon dieu. Ils nous baladent de tout partout. Oh, c'est incroyable. Allez. On a un changement. Et là, je pense que ça va être fini. Allez, et c'est fini. Une deuxième défaite dans la démo, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je prends du plaisir. On va se laisser ici. Tout à l'heure, vous aurez mon ouverture du pack. Vous avez aimé, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve ce soir pour le pack. Allez, salut tout le monde.